Coucou les amis! Aujourd'hui on se retrouve avec vous pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo haul. J'ai reçu plein de trucs, j'ai envie de vous montrer tout ça. Ne faites pas attention à mon petit doigt, je le coupais. Voilà, il n'y a rien de très grave mais quand même je me suis dit ce sera bien de le protéger. J'ai fait un petit peu en arrache mais bon c'est pas grave, on est bien, on est à la maison et puis c'est tout. Alors ça fait pas la première fois que je reçois les produits de chez Rose Gall, mais cette fois-ci je me suis dit j'ai commandé des trucs que j'ai jamais commandé à peu près. Il y a des trucs que j'ai déjà reçus, bref vous allez voir tout ça. Mais ce que j'ai envie de vous dire c'est que j'étais bien contente en fait. La plupart des trucs c'est la bonne qualité, c'est pas toujours la même taille qu'on peut voir sur le site, mais c'est parce que j'ai pas fait attention. Bref, je vais vous montrer tout ça, vous allez juger vous-même et puis voilà. Alors tout d'abord, il faut dire que en fait je fais des vernis gel mais chez un spécialiste et je me suis dit bah tiens peut-être ce sera bien d'essayer moi-même parce que j'aime bien comment elle fait, mais il n'y a rien de méga compliqué non plus. Je me suis dit bah tiens je regarde sur le site est-ce qu'ils ont une lampe ou un lampe je sais pas spéciale pour voyez pour le vernis gel et le vernis gel eux-mêmes. Et du coup j'ai vu qu'ils ont plusieurs à proposer et tout d'abord du coup je me suis commandé cette lampe que vous pouvez voir là. Elle est vraiment très belle, il y a une prise qui est européenne déjà, j'étais bien contente, je me suis dit oula s'il faut acheter un truc spécial pour la prise ce sera un petit peu chiant, je ne pourrai pas l'utiliser tout de suite, mais c'était une prise normale, voilà, le câble il est assez long. La lampe même elle est très jolie vraiment. J'aime bien, elle est pure, épurée, voilà, blanche et tout. J'ai choisi le couleur, vous pouvez choisir, il y a plusieurs couleurs, il y a turquoise, rose et tout, j'ai choisi blanc, c'est voilà, c'est simple, j'aime bien. Pardon. Du coup, il y a plusieurs lampes en intérieur qu'on peut voir, vous pouvez choisir les secondes, 30, 60, 80, 10 et tout. Il y a le petit écran qui s'allume, c'est trop mignon et tout, mais... Je sais pas ce qui a bugué dans ce truc là parce que j'ai commandé aussi les vernis comme vous pouvez voir, ils étaient bien emballés et tout. Je me suis commandé les vernis comme ça. Il y a plusieurs couleurs mais j'ai choisi les couleurs assez simples. En fait il y a des marrons clairs, gris clair, il y a un bordeaux pour contraster tout ça. Mais il n'y a pas la base, il n'y a pas le... Quand je mets la couche supérieure pour protéger un petit peu les ongles, bah le vernis du coup, il y a 6 en intérieur, mais en fait j'ai pas compris c'est de cette marque. D'ailleurs dites-moi en commentaire est-ce que vous avez essayé déjà cette marque. Et là je comprends pas en fait, est-ce que c'est la lampe qui bug, est-ce qu'elle est pas bien ou c'est les vernis qui sont mauvais. Parce que en fait je vous explique, j'ai mis le vernis, je mets sur la, sous la lampe comme ça. Normalement, genre 25-30 secondes, c'est bon, c'est dur et tout, chez les spécialistes. Mais chez moi, c'est toujours mou. Je comprends pas, je sais pas pourquoi. Et du coup, bah, c'est toujours pas durci en fait. Je mets 90 secondes, plusieurs fois, je sais pas, il y a quelque chose qui bug. Soit les vernis, soit cette lampe. Je sais pas, du coup j'aimerais bien savoir votre avis. Est-ce que vous avez commandé déjà sur les sites asiatiques les lampes comme ça, est-ce que ça marche bien ou pas, ou est-ce que c'est les vernis de cette marque qui sont pourris? Je sais pas, je comprends pas, mais c'est vraiment dommage parce que j'aime bien, les couleurs sont bien mais ça matche pas, il y a l'un des deux qui marche pas, voilà. En tous les cas, tous les liens je vais vous mettre en barre d'infos, n'hésitez pas à checker, il y a vraiment des belles trucs, je vous montre. Alors ensuite je me suis commandé un sac comme quoi, c'est une surprise, j'ai un million de sacs et il me manque toujours. Rouge, j'aimerais bien, je me suis dit ce sera bien d'avoir un sac rouge en cuir parce que j'ai déjà en velours un petit peu et là c'est en simili cuir, mais je me suis dit ça peut être sympa et tout. C'est du type, vous voyez c'est quelle marque, mais c'est pas du tout la contrefaçon, vous voyez il n'y a pas de logo ni rien du tout. La chaîne elle est bien, tout est bien, la qualité est bien, elle est vraiment très douce, très jolie, la couleur est bien et tout. C'était bien emballé, tout ce que vous voulez, la qualité de truc elle est bien et tout. Mais j'ai pensé que la taille va être quand même un tout petit peu plus grande. On est d'accord que c'est méga petit, regardez. Par rapport à ma main, c'est vraiment bien petit.
C'est ça qui me déçoit un petit peu, sinon j'adore ce sac, vraiment vous le touchez ce sac, il est très très agréable. La chaîne elle est de bonne qualité aussi, vraiment j'adore, elle est plus longue, hein. Je vais vous montrer. Vous voyez la chaîne elle est vraiment bien longue, vous pouvez raccourcir en mettant sur les épaules de cette manière là. Je pense que vous connaissez déjà, je vais pas vous apprendre des trucs. Mais vraiment même la lanière elle est hyper douce et tout, vraiment j'adore. La bonne qualité, mais la taille, je pensais que ce sera plus grand. Mais bon, je suis contente quand même. J'aime beaucoup, c'est bien rouge, bien pétillon, j'adore. Ensuite, pour ne pas changer l'équipe qui gagne, devinez quoi, bim, encore un sac. Eh oui, 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 j'adore. Voilà, c'est cette taille que je voulais. Je l'ai commandée en jean, vous voyez. Et c'est exactement la même modèle, mais en plus grand. Même chaîne, même lanière, même qualité, même truc, tout est le même, sauf que c'est plus grand. Et justement, j'ai pensé que la rouge va être de cette taille-là, la taille normale, taille basique de ce type de sac en fait. J'aime beaucoup, il est de bonne qualité, c'est vraiment du jean en fait. C'est très très agréable, en même temps, c'est pas très rigide. J'aime beaucoup la couleur aussi, jean brut comme ça. Je me suis dit pour cet été, pour changer un petit peu, j'ai jamais vu ça, le sac chez quelqu'un, le sac comme ça en jean. Je me suis dit, ça change un petit peu, ça sort de l'ordinaire, j'aime beaucoup, et comme ça, ça va finir mes looks, et puis voilà, je suis trop contente. Ensuite, pour rester dans le jean, je me suis dit, bah tiens, j'ai jamais essayé, je vais essayer d'acheter un jean sur Rothgal, on va voir ce que ça donne. Et du coup, je me suis choisi ce jean là, taille haute, il y a des petits détails rouges, mais bon, c'est pas si voyant que ça, c'est pas grave. Taille haute, mais vraiment bien haute, vous voyez, un petit peu délavé comme ça, mais pas trop, j'aime pas trop quand c'est délavé. Il y a genre les petites déchirures, mais c'est juste genre. Et en bas en fait, ce qui m'a plu un petit peu, il y a des petites finitions comme ça. Là les petites fleurs on voit pas, bah heureusement, il y a des petites finitions comme ça en bas. J'aime beaucoup, je sais pas, ça change un petit peu. Il me va super bien ce jean, la taille hyper haute, il est méga stretch. C'est pour ça je pense qu'il peut convenir à plusieurs filles des différentes tailles et des différentes formes. Et puis voilà, j'aime beaucoup, il y a le petit détail au niveau des poches aussi, c'est des vraies poches, c'est pas des fausses. Et puis voilà, derrière aussi il y a les petits détails, mais bon, je suis pas super fan de ça, mais bon, ça passe, on va pas tant que ça. Et puis voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et ce jean là, ce couleur de jean brut bleu comme ça, je sais pas pourquoi, mais je suis à fond maintenant, ça me plaît beaucoup. Et puis voilà, ça va bien faire l'affaire. Ensuite, on continue dans le couleur bleu, et cette fois-ci, je vais vous montrer une chemise que j'ai pris en taille 2XL. C'est une chemise genre en jean, mais c'est pas en jean, c'est juste le couleur comme ça. Et les manches sont bien bouffantes, comme vous pouvez voir, manches longues, bien bouffantes, et avec des petites fleurs juste en bas. C'est pas des fleurs méga grandes, c'est pour ça que j'ai bien aimé en fait, parce que tout ce qui est fleurs, brodure et tout, je comprends comme ça, c'est plus tendance. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est des petites fleurs comme ça, c'est pas si voyant que ça. Et c'est les manches bouffantes qui m'ont convaincue. Oui, on dit comme ça. Et puis voilà, mais cette chemise en fait, je l'ai pris en 2XL parce qu'il faut savoir que le style chinois, il faut prendre plus grand. Sauf qu'elle me va très très grand. Et du coup, je sais pas quoi faire. J'espère que je vais pas réussir pour la porter, ça va. Et puis, je sais pas. Peut-être je vais donner à quelqu'un, je sais pas. Mais elle met. Ou peut-être je vais porter ouverte, juste comme ça, avec un petit débardeur blanc, peut-être ça peut faire l'affaire. Sinon, elle est bien sympa, de bonne qualité et tout. Vraiment au top. Ensuite, pour Rémi, j'ai pris un petit pantalon. Mais les gars, ça fait. Parce que. Faut savoir que de chez Rothgal, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté et du coup, il y a quelques-uns qui m'ont envoyé les trucs, les autres ne m'ont pas envoyé, je comprends pas trop. Et du coup, en hiver, c'était encore en hiver quand j'ai fait la commande, Rothgal, j'ai choisi sur ce site le petit jogging comme ça, un petit peu resserré en bas pour Rémi, pour traîner à la maison. On a reçu, il y a 2-3 semaines, vraiment récemment.
sais pas, c'est un petit peu, il fait bien chaud dehors. Je pense que ça sera pour l'hiver prochain ou peut-être quand il va pleuvoir et va faire bien froid pour traîner à la maison, ça peut aller. Mais c'est vraiment genre, c'est pas hyper chaud en intérieur, mais quand même, vous voyez la matière, c'est un petit peu suette et tout. Voilà, la taille est bien, c'est bien taillé, tout est bien, la matière est bien, c'est assez bonne qualité, mais c'est pas le saison. Mais bon, c'est pas grave, au moins on a pour le saison froid prochain. Ensuite, je vous ai présenté déjà dans mes hauls précédents, si vous faites attention à mes hauls, je vous ai présenté déjà que je vais commander un pull noir hyper léger pour l'été, avec des petites dentelles qui étaient très très classe, et vous m'avez dit dans les commentaires que vous l'avez bien aimé. Vraiment, j'adore aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai reçu en double le 12e, le même, exactement le même, même matière, même couleur, tout est le même. J'ai pas compris le délire et je me souviens pas de commander en double. Et en plus, je l'ai reçu, l'autre je l'ai reçu il y a 2-3 mois et celui-là je viens de recevoir. Je comprends pas trop, mais bon. Et j'ai l'impression aussi que celui-là il est un tout petit peu plus court parce que l'autre il est vraiment aux chevilles, il est vraiment très très long. Celui-là il est de même bonne qualité que l'autre, il est un petit peu transparent, mais c'est pas grave. Pour l'été, quand il fait super chaud et tout, pour traîner à la maison, c'est top du top. J'adore cette matière-là, bien légère, fluide, on adore. Ensuite, je passe aux accessoires. Je me suis commandé deux coques de téléphone S6, c'est mon portable Samsung S6. D'ailleurs, j'ai fait déjà une vidéo comment ils m'ont volé ce portable et les flics ont trouvé. Si vous voulez voir, n'hésitez pas à fouiller un petit peu sur ma chaîne. Bref, mon portable c'est S6 et du coup, je me suis commandé deux coques. Ils sont bien tendance maintenant, c'est genre marbre. Mais vous voyez là où il y a des trucs blancs, bah là c'est en holographique. Vous voyez, je trouvais ça super sympa. Blanc pareil, c'est comme en marbre mais c'est holographique. J'aime beaucoup vraiment et j'ai hâte de le porter plutôt quand il va faire encore plus beau, peut-être début d'été et tout, parce que ça fait bien un festival et tout, allez hop hop hop. Et du coup j'ai hâte de le porter et j'ai hâte de l'échanger, des switches et tout, j'adore ça. Surtout quand il fait beau, ça me donne envie en fait de changer les coques et tout en hiver. J'ai resté avec le même coque 3 semaines, 1 mois. Et là je vais changer bientôt, tout et tout. On adore, on attend l'été, on attend chaleur, on adore. Ensuite, déjà sur les sites asiatiques, j'ai déjà commandé les montres que j'adorais, vraiment de très très bonne qualité et tout. Et là je me suis dit, bah tiens, je vais commander parce que quand je prends les bijoux et tout, je prends le plus souvent, je prends en argent. Et là je me suis dit, bah attends, ce sera bien peut-être de commander en rose gold un petit peu. Et du coup j'ai vu cette montre, je me suis dit, bah tiens, ça peut être très très sympa. C'est la montre tout simple, en rose gold un petit peu. Vous voyez, il n'y a pas de logo, rien du tout. C'est juste la montre, toute simple. J'aime bien ce type de lanière, je sais pas comment on dit. C'est vraiment, ça épouse très très bien le poignet et le truc elle est tout simple, vous voyez, il n'y a rien de fou, bling bling, rien du tout. Mais justement, c'est justement ça que j'ai bien aimé. Je trouve que ça donne super joli sur les mains, ça affine en fait, ça donne le côté classe, j'adore. Surtout quand je suis avec cette voici, ça donne classe, hein, pas du tout. Bref. Du coup, j'aime beaucoup vraiment et il coûte pas très très cher sur le site. Vraiment, je vous conseille d'aller voir. Il y a plusieurs choix, il y a plusieurs modèles. J'adore, j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis commandé des petits trucs comme ça. Carrément dans la barre de recherche, je tapais argent, silver, pour les gens qui ne connaissent pas en anglais. Je me suis commandé le petit collier, mais beaucoup trop choupinette. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il me faut ça. Vous savez que maintenant, tout ce qui est grand, bien épais, c'est pas très tendance. Là maintenant, la tendance, c'est de mettre plusieurs colliers de ce type-là, genre chaîne, or ou argent, et associer plusieurs en fait. Quand il y a plusieurs de différentes longueurs, c'est très très tendance maintenant. Et du coup, je me suis commandé ce petit collier comme ça. En fait, il est tout simple, il est tout fin, il est tout simple, mais au bout, vous avez un petit cœur. Vous voyez, et le petit cœur il bouge en fait, du coup il est pas toujours dans le même endroit, du coup il peut être de côté, de ce côté là. Mais je le trouvais juste
génial ce petit collier. Et le petit cœur, il est beaucoup trop choupinette. Vous voyez comment il est beaucoup trop chou. J'aime trop. Du coup, j'ai hâte de le porter. Là maintenant, je ne l'ai pas encore porté, je voulais vous montrer. Et là, je vais le porter et je vais être bien contente. Et c'est trop trop chou. Je trouve que ça donne un petit côté classe. Encore une fois, comme tu le vois, c'est pas classe, c'est ridicule. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est trop beau, j'adore. Ensuite, on reste dans le collier. Je sais pas c'était quoi, mais j'ai une vague de commandes de colliers. Je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup en ce moment. Je me suis commandé ce collier qui est d'ailleurs en train de se mêler. Hop, hop, hop. Voilà, ça donne ça. Il faut faire attention parce que les trucs, elle est très très fin et du coup ça s'en mêle en 3 secondes. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le petit collier, tout simple pareil, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très très tendance de associer plusieurs colliers. Là c'est un seul, mais on dirait il y a deux. En fait, vous voyez, d'un côté, le collier genre le plus court, c'est avec un petit diamant. Et l'autre, c'est juste un petit rond, comme ça, qui, pareil, qui bouge en fait. Si vous le bougez, il bouge tout le temps sur sa chaîne en fait. J'aime beaucoup. Je sais pas, la société 2, c'est tout simple, mais je trouve ça très très beau. Un petit peu bohème et tout, j'adore pour cet été. J'adore, j'aime trop. Ça brille un tout petit peu, ça fait pas flash. Cheap, ni rien du tout, j'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais moi j'aime trop et ça coûtait vraiment une misère sur le site. Et pour finir les amis, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai reçu de la part du site Octoly. C'est une plateforme, vous connaissez, tout le monde la connaît. J'ai reçu une petite palette de chez Sephora. Et vous allez peut-être jamais le croire, mais j'ai jamais eu le produit de chez Sephora, de marque Sephora en fait. Jamais, je sais pas pourquoi. Mais j'étais jamais tentée par leur produit, je sais pas pourquoi. Et là en fait, je me suis dit bah tiens, ça sera bien d'essayer. Ils ont proposé sur Octoly la petite palette comme ça pour les yeux en mini format. Je sais pas si ça existe en grand format, mais sur le site c'était en format mini. Je me suis dit pour le voyage, ça sera juste top du top. Et en plus j'ai trouvé le design un petit peu rigolo. Vous voyez, c'est des petits yeux qui clignotent et tout, j'adore. Alors, miniature palette, il y a 6 fards à paupières. En fait, c'est bien protégé, tout, on connaît l'histoire. En fait, il y a 4 fards un petit peu irisés et 2 mats. J'aime beaucoup, en fait. Je sais pas, les couleurs sont neutres, vraiment pour se maquiller, pour aller au travail, c'est vraiment les couleurs qui vont le mieux, je pense. Ils sont vraiment simples, il n'y a pas de bling bling, même s'ils sont un petit peu irisés, je crois qu'on dit comme ça. Ils sont assez calmes en fait, les couleurs sont simples. Et ils vous expliquent un peu comment vous pouvez vous maquiller, tout, c'est trop sympa. C'est magnété, mignoté, je sais pas comment on dit. Quand ça clique comme ça, il y a des magnètes à l'intérieur. C'est trop pratique aussi, en plus ça fait avec les petits yeux, j'adore, je trouve ça trop trop beau. Et puis voilà, j'ai hâte d'utiliser cette petite palette. Je voulais vous montrer comment elle est à la base de base. Et puis voilà, je la trouve trop trop mignonnette. Vous voyez, c'est trop trop chou, je trouve. J'adore. Merci. Ensuite, de la part de Yves Rocher, pareil, sur Octoly, je me suis pris les lots de 3 produits en fait. C'est leur nouvelle gamme. Vous pouvez l'avoir partout maintenant, sur toutes les vitrines de magasins Yves Rocher. C'est leur nouvelle gamme Hydra Végétale. Je pense que vous l'avez vu, hein. Si vous passez au centre de votre ville, s'il y a le Yves Rocher, vous devez le voir parce qu'il y a vraiment partout, partout, partout. Tout le monde parle de cette gamme. Apparemment, elle est vraiment juste super. Et moi, je me suis dit, bah tiens, je veux bien, moi aussi, j'aimerais bien tester. Du coup, il y a le crème végétale hydratation et tout. Après, il y a gel nettoyant. Vous voyez, en intérieur, il y a des petits boules, c'est trop rigolo, je trouve. C'est trop trop beau. Et c'est gel nettoyant. Et après, il y a lotion tonique hydratant. Pareil. J'adore le couleur déjà. Et l'odeur, elle est vraiment... je sais pas comment vous dire. Et ça reste sur la peau, en fait, l'odeur. J'adore. Du coup, je l'utilise le soir. Et l'odeur, elle est hyper frais. Vraiment, ça sent les plantes, mais pas très agressif.
Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Et du coup, voilà, j'utilise le crème pour l'instant. J'ai pas encore utilisé, comme vous pouvez voir, il est complètement fermé. Je pense que je vais le donner d'ailleurs à ma mère comme cadeau. Et là, j'ai le nettoyant et tonique, je l'utilise maintenant le soir. Je viens de commencer, comme vous pouvez voir, et je l'utilisais très peu. Et puis voilà, pour l'instant, j'aime bien, surtout l'odeur. J'aime beaucoup, beaucoup l'odeur. Et puis voilà, pour l'instant, je suis bien contente. On va voir ce que ça va donner à long terme, mais j'aime beaucoup pour l'instant. Voilà les amis, sur ce on va finir. J'ai envie de vous dire un grand merci pour tous les nouveaux abonnés, tous vos gentils commentaires. J'adore vraiment les lire, j'adore répondre. Je n'ai pas toujours le temps, je suis vraiment désolée, mais j'essaie de répondre au maximum. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour le nouveau haul, pour le nouveau vlog, pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vais rester rester positive, rester motivée. Je vous aime trop, bisous.